Salut tout le monde, c'est Antoine qui me venu pour ce nouveau débrief. Je vais parler du match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille qui s'est soldé sur une victoire 1-0 de l'Olympique de Marseille. On n'a pas trop forcé aujourd'hui. But de Morgan Sanson à la 64e minute, si je ne dis pas de bêtises. 42e. En première mi-temps, il a mis le but. 64. Qu'est-ce que je dis, moi? Excusez-moi, c'est le. C'est la fatigue. 42e minute. En fin de première mi-temps. But de Morgan Sanson. Il a plutôt fait un bon match dans l'ensemble. On aurait pu en mettre plus. Mais ça a été compliqué comme match, notamment pour une raison. Florent Thauvin qui était blessé, et qui l'est toujours. Et en plus, nouvelle composition de la part de Rudy Garcia. Et voilà. Les joueurs étaient plutôt bons. Aussi bien à côté Godelou, ce qui nous a amené un match assez serré. Il y a eu pas mal d'occasions des deux côtés. L'équipe de Balotelli n'a pas démérité non plus. Ce qui a manqué aux deux équipes, notamment le Zénith, c'est le réalisme et la finition. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais pour le moment, on est prêt pour le Classico. On est prêt pour la réception la semaine prochaine face au PSG. Le 1-0 contre l'OGC Nice le montre. On peut mettre le même. On est capable de battre le PSG avec ce score-là. Si à 0 ça me va, hein. Même un match nul m'irait très bien. Ça serait énorme qu'on arrive à battre le PSG alors qu'ils sont en grande puissance. Ça serait énorme qu'on arrive à briser leur série au Stade Vélodrome. Mais ça, c'est notre histoire. Mitroglou et Germain. À leur habitude, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. S'il n'y en a pas un qui est. S'il y en a un qui est bon, l'autre est forcément nul. C'est pas croyable. Mitroglou, il a tenté. Payet, il a proposé des choses intéressantes, même si. Ça finissait pas au fond. Je pense notamment au coup franc. Les quelques petites accélérations, quelques frappes. Mitroglou et Germain pareil. Ocampos n'a pas fait grand chose. J'ai pas beaucoup eu. Radonjić, il a été bon. Il a été bon aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens disent de lui. Enfin, faut le temps qu'il fasse sa place. Bon, j'espère que vous aurez apprécié ce mini-débrief. La seule chose qu'il faut dire, c'est que Morgan Sanson a été très bon. Enfin, pas au point d'être homme du match. Mais son but était important, puisque c'est le but de la victoire. Victoire de l'OM 1-0 face à Nice. Est-ce que l'OM est prêt pour le Classico dimanche? Je pense que nous sommes prêts. Il n'y a plus qu'à voir Naples PSG
parce que si le PSG perd face à Naples, ça peut être un psychologique au PSG. Certes, ils ont mis 5-0 à Amiens ou à Lyon, mais admettons ils font un faux pas à Naples. Ça peut déclencher une mauvaise sérénité. C'est possible. Il suffit qu'à un seul match, ils commettent une erreur que nous, on en profite juste après. Ça serait cool pour l'OM parce que on vous rappelle qu'on a quand même une disette. Enfin, je vous rappelle, pardon, que l'Olympique de Marseille a une disette de 7 ans sans victoire. En d'autres termes, depuis 2011, on n'arrive plus à battre le PSG. Bon, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce petit débrief. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Salut tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ciao tout le monde.